Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, la recette que je vais partager avec vous, c'est amuse-bouche fait à base de farine de maïs jaune que je vais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Pour les ingrédients, vous avez besoin de 200 g de farine de maïs. C'est la quantité que vous voulez. Il faut utiliser la quantité au choix. 200 g de farine de maïs, une bonne pincée de sel et une demi-cuillerée à café de paprika que je vais rajouter. Vous pouvez rajouter du du piment. Si vous n'aviez pas du paprika, il faut rajouter du piment. Et j'ai à peu près 300 ml d'eau. Je ne vais pas tout mettre l'eau. Je vais vous dire combien de quantité d'eau que j'ai utilisé. Donc on va commencer la préparation. Pour commencer, il faut déposer la marmite au feu. Ensuite, je vais rajouter l'eau. Donc j'ai mis 300 ml d'eau, il me reste 100 ml. Maintenant, je vais mettre la farine et puis mélanger. Il faut déposer à feu doux, il faut mélanger le tout et porter à l'ébullition. Je vais rajouter le paprika, une demi-cuillerée à café de paprika et une bonne pincée de sel. Il faut saler à votre goût. Mélangez le tout. Il faut remuer de temps en temps, il faut laisser à feu doux, remuer de temps en temps jusqu'à obtenir une pâte lourde. Il faut laisser à feu doux 5 minutes avant de éteindre le feu et puis laisser refroidir. Voici la texture, ça doit être lourd, très lourd, pas une pâte légère. Maintenant, je vais éteindre le feu et puis laisser refroidir avant de continuer la préparation. Et voilà, voici la pâte. Maintenant, on va continuer la préparation. Vous pouvez laisser refroidir 5 minutes avant de les former ou bien vous pouvez faire ça rapidement si vous voulez. À l'aide d'une planche, je vais enlever une petite quantité de la pâte et puis faire comme si je il faut regarder ce que je fais pour former. Il faut faire comme si vous faisiez du bâtonnet. Il faut rouler. Et voilà. Il faut répéter la procédure. Et voilà, maintenant on va passer à la friture. Dans une poêle, il faut déposer la poêle au feu. Ensuite, il faut rajouter l'huile végétale. Il faut laisser l'huile chauffer avant de frire. Maintenant, je vais frire. Il faut frire jusqu'à
Il faut laisser dorer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Et voilà, c'est prêt, je vais les retirer. Il faut laisser dorer. C'est croustillant. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Et voilà, mes croquettes ou cré-cré ou amuse-bouche est prêt. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!